sur capture et je vais chercher mes exercices. Et puis après, je regarderai avec vous aussi le devoir maison. Alors, je pense que l'exercice 1, on l'avait fait, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais qu'il y en a certains, ils ont carrément oublié. Alors, par exemple, là, ils disent une urne. Une urne, elle contient 4 boules noires, numérotées de 1 à 4, et 3 boules blanches, numérotées 1, 2, 3, donc de 1 à 3. Ils disent calculer la probabilité de tirer une boule noire. J'en ai 4 boules noires, et le total, vous rappelez la définition. La définition de probabilité, c'est le nombre de cas possibles sur le nombre, bien sûr, de cas favorables. Le nombre de cas favorables, j'ai 4 ici boules noires sur le nombre de cas possibles. Nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Les cas favorables sont 4 et le cas possible, il y en a combien de boules en tout? Il y en a 7. Donc, bien sûr, on avait dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit que la probabilité, on va dire, de tirer les... Je vais écrire cette fois-ci la probabilité, c'est N. On va l'appeler cet événement, on va l'appeler N. Donc la probabilité, je vais écrire, la probabilité de tirer une boule noire, c'est un peu trop grand, donc je vais essayer déjà d'enlever le souligné et surtout de mettre un peu en gras. Ça ralentit un petit peu, c'est pas grave. Voilà. Et surtout, c'est un peu trop grand, donc on va le mettre en 24, c'est mieux. Même 24, c'est un peu trop, donc je vais le mettre en 18. Voilà, c'est mieux. Donc la probabilité de tirer une boule noire est égale à quoi? Ben, on a dit, est égale à 4. J'ai 4, le nombre de cas favorables sur... C'est quoi? Bien sûr, le nombre de cas possibles, il y en a combien de possibilités? 7. Voilà. Pour le deuxième, j'ai ici, bon, je vais peut-être faire ça, et puis après, je le refais, je le réécris ici. Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche? La probabilité, on va l'appeler l'événement, on va l'appeler B. L'événement, tirer une boule blanche. Ben, il y en a combien de boules blanches? Ben, il y en a, bien sûr, 3. Il y en a 3 sur combien? Sur 7. Quelle est la probabilité de tirer une boule numérotée 3? Ben, on va l'appeler la probabilité, tout simplement, de tirer le 3. La probabilité de tirer le 3, c'est quoi la probabilité de tirer la boule 3? Ben, il y en a 2 boules, donc c'est 2. Le nombre de cas favorables, 2. Et le nombre de cas possibles, c'est toujours 7. Quelle est la probabilité de tirer une boule ayant un numéro pair? Donc, je vais l'appeler la probabilité de petit p, c'est-à-dire l'événement tirer une boule pair. La probabilité de tirer un nombre pair est égale... Alors, il y a combien de nombres pairs? Ben, il y en a 3, puisqu'il y en a... 2 boules numérotées 2 et une numérotée 4. Donc, c'est encore 3 sur 7. Et la probabilité de tirer une boule impaire, c'est en fait, vous vous rappelez, on l'a dit, c'est un peu l'événement contraire. Je peux faire 1 moins 3 sur 7 ou tout simplement, je compte. Ici, j'en ai 2 boules numérotées 1 et 2 boules numérotées 3. Et donc, je vais l'appeler... probabilité, cet événement, je vais l'appeler I, la probabilité de tirer une boule impaire est égale à 4 sur 7. Voilà. Pour l'exercice 2, je pense que j'avais donné aussi quelques renseignements là-dessus. Alors, ils disent, Pierre, il lance 4 fois un dé cubique non truqué. À chaque fois, il a obtenu 6. Par hasard. C'est vraiment du hasard. Parce que ce mot, il faut absolument... Ce mot qui est d'origine arabe, hasard.
c'est vraiment le hasard qui a fait que, en fait, il a obtenu 4 fois la face 6. Il lance, encore une fois, selon D, il le lance une cinquième fois. Ils disent, quelle est la probabilité d'obtenir 6 au cinquième lancé? L'élève, il se dit, mais s'il a obtenu 4 fois le 6, ben sûrement il va obtenir encore une fois, donc l'événement, il va obtenir 6. Non, pas du tout. Parce qu'ils disent non truqué. Il n'est pas pipé. D'accord? Un dé qui est truqué, on dit qu'il est pipé. Hein? Donc, il n'est pas truqué ce dé. Donc, la probabilité d'avoir le 6, c'est toujours la même, elle ne change pas. Je vais écrire, la probabilité d'avoir un 6 est égale à quoi? Ben, c'est toujours la même, c'est 1 sur 6. Vous vous rappelez, je vous ai dit, j'ai une chance sur 6 d'avoir le 1, une chance sur 6 d'avoir le 2, une chance sur 6 d'avoir le 3, une chance sur 6 d'avoir le 4, une chance sur 6 d'avoir le 5, et une chance sur 6 d'avoir le 6. Si je fais la somme, je trouve 1. Parce que là, si l'élève, il dit, ben, il va obtenir forcément 6, ça veut dire que ce qu'on appelle l'événement certain, ça veut dire qu'il est sûr. Donc la probabilité, elle est égale à 1. Eh bien non, il n'est pas sûr d'obtenir le 1. Exercice 3. Alors, exercice 3, j'ai ici un, comme pour la fête foraine, j'ai une roue à faire tourner. Il consiste donc à faire tourner la roue et à considérer le nombre, il y a le nombre et la couleur de la case. D'accord ? Car vous vous rappelez, vous voyez bien les numéros, il y a combien ? Il y en a de 1 jusqu'à 12. Et les cases, elles sont ou bien colorées en blanc ou en gris. Alors, soit l'événement A, ils disent, soit l'événement A, la probabilité... Abderraouf, c'est très bien ce que tu m'as fait, mais juste tu ne m'as pas expliqué. C'est très bien. Ton travail, il était très bien. Donc, la probabilité de tirer le 6, quelle est la probabilité, en fait, de tomber sur le 6? Là, on voit bien que le disque, il est partagé en 12, 12 parties égales. Donc, en fait, j'ai tout simplement, donc, le nombre de cas favorables, ben, c'est 1. Le nombre de cas possibles, c'est 12. Donc, c'est 1 sur 12. La probabilité d'avoir le 6, la probabilité de tomber... Ah, c'est pas, je ne vais pas écrire 6, parce qu'on l'appelle l'événement A. Donc, je vais écrire l'événement A. La probabilité de l'événement A, c'est combien? C'est 1 sur 12. La probabilité de l'événement B, c'est quoi l'événement B? On obtient une case grise. La probabilité de l'événement B. Alors, le nombre de cas favorables. J'ai combien de cases grises? Ben, j'en ai 6. Et le nombre de cas possibles, combien j'en ai de cases en tout? J'en ai 12. Donc, normalement, c'est 6 sur 12. Je l'accepte. Mais par contre, souvent au brevet, on vous demande de simplifier. De donner, bien sûr, l'expression sous forme simplifiée. Là, bien sûr, si le jour du brevet, si c'est sur un point, on va vous donner un demi-point. Alors, juste là, avec ma calculatrice, je fais 6 divisé par 12, et bien ça me fait 1 sur 2, ou 0,5. D'accord? Sinon, donc j'écris 0,5, ou tout simplement, si on me le demande de l'écrire sous forme de fraction simplifiée, j'écris 1 sur 2. D'accord? Ou, qu'est-ce que j'ai dit encore? Qui est égal, bien sûr, qui est égal à 0,5. Quel est l'événement C? C'est quoi? Obtenir un nombre supérieur ou égal? Supérieur ou égal à 8? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut être égal à 8? Oui,
Oui, il peut être égal à 8. Parce qu'ils disent supérieur ou égal à 8. Alors, quels sont les nombres, les cas favorables? Les cas favorables, c'est 8, 9, 10, 11, 12, 5. D'accord? Les cas favorables, c'est 5. Donc, je vais écrire la probabilité de l'événement C. C'est donc nombre de cas favorables, 5. Et le nombre de cas possibles, il n'a pas changé. C'est toujours 12. Pour cette fois-ci, l'événement D. C'est quoi l'événement D? Est-ce que je peux simplifier 5 sur 12? Ah, vous mettez 5 sur 12 avec 5 divisé par 12 sur votre calculatrice. Ça va vous mettre 5 sur 12. On ne peut pas le simplifier. On ne peut pas le simplifier. Et aussi, en décimale, c'est un nombre qui se termine jamais. Et donc, j'aurai une valeur approchée. J'aurai 0, quelque chose. Ma calculatrice, elle est là. Oui, voilà, je vais le faire pour bien sûr vous dire. Par exemple, 5 sur 12, ça fait combien? 5 divisé par 12, je vais le faire. Ben, ça me fait en fait 0,42. Parce que ça fait 0,416666666. Et donc, je vais arrondir. Donc, je vais dire à peu près égal à 0,42. Voilà. 0,42. Ben, il vaut mieux laisser 5 sur 12, parce que c'est une valeur exacte, 5 sur 12. Alors que 0,42, c'est une valeur approchée. L'événement D. C'est quoi l'événement D? La probabilité de l'événement D. C'est quoi la probabilité de l'événement D? Eh bien, en fait, c'est tout simplement... qu'est-ce qu'ils disent? Obtenir le nombre pair sur une carte, sur une case grise. Pair sur une case grise. J'ai combien de nombres pairs dans les cases grises? J'en ai le 2, le 4, le 8 et le 12. 4 cas favorables. Donc c'est 4 sur 12. Est-ce que je peux le simplifier? 4 sur 12. Est-ce que je peux simplifier? Corentin, 4 sur 12. Brahima, 4 sur 12. Oui, je peux le simplifier. Parce que ça me fait tout simplement 1 sur 3. 1 sur 3. Parce que 12, c'est égal à tout simplement 4 fois 3. Et 4, c'est 4 fois 1. Je simplifie par le 4 et ça me fait 1 sur 3. Je le fais avec ma calculatrice. Je fais 4 divisé par 12, ça me fait 1 sur 3. Et si je veux l'écrire en décimale, ça me fait 0,33. D'accord? Mais ce n'est pas une valeur exacte, c'est une valeur approchée. Donc je n'écris pas égal, j'écris une vague, d'accord? Valeur approchée, 0,33. Obtenir un nombre impair dans une case blanche. La probabilité de l'événement E. La probabilité de l'événement E. Obtenir, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un nombre impair sur une case. Alors, dans les cases blanches, les nombres impairs sont 1, 3, 7 et 9. 4 cas favorables. Donc, c'est encore 4 sur 12. C'est exactement la même chose que l'exercice, la question précédente. Je trouve 1 sur 3. Ou encore à peu près égal à 0,33. Ça, c'est bien sûr l'exercice 3. Maintenant, l'exercice 4 qui est intéressant. Je vais faire avec vous même un exercice 5. Et je parlerai un peu du devoir maison. Alors, une roue. Alors là, la roue de loterie, elle est composée de 5 secteurs d'air différents. Alors, attention. C'est pas comme celui de la fête foraine, les angles sont les mêmes. Non, les angles ne sont pas les mêmes. Et ils disent, les secteurs sont numérotés de 1 à 5. Alors on fait tourner la roue,
Et quand on fait bien sûr la roue, elle s'arrête. L'indicateur désigne alors un secteur. Bien le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5. 5 secteurs. Alors les secteurs, ils disent, j'ai ici un tableau avec bien sûr les probabilités. Donc si je vous dis quelle est la probabilité d'avoir le 1, quelle est la probabilité de tomber sur le secteur 1? Ben, c'est écrit sur le tableau, c'est 0,19. Quelle est la probabilité d'avoir le secteur 2? Ben, c'est écrit, c'est 0,28. Quelle est la probabilité d'avoir le secteur 4? Ben, encore là, c'est écrit, c'est 0,19. Quelle est la probabilité d'avoir le secteur 5? C'est 0. De tomber sur le secteur 5, c'est 0,12. Et là, par contre, ils disent calculer la probabilité pour qu'on tombe sur le secteur 3. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Ici, je ne connais pas, bien sûr. Est-ce que je connais la probabilité? Je ne la connais pas, mais je dois la calculer. Alors, comment je vais faire pour la calculer? Et là, il y a une propriété, je regarde mon cours. Khadija, j'ouvre mon cours et bien sûr, je trouve qu'il y a une propriété qui me dit que la somme de toutes les probabilités élémentaires, la somme des probabilités, elle est toujours égale à 1. Donc en fait, ici, si vous voulez, je vais regarder ici, descendre un petit peu. Pour le 1, je vais écrire ici le 1, hein, d'accord? Pour le 1, je vais écrire petit, peut-être un peu plus petit, sinon. Je vais écrire ici le 1. Voilà. Je vais même regarder, je vais mettre juste 12, comme ça, ce sera plus petit. Donc le 1. Alors, le 1. Donc en fait, qu'est-ce qu'on sait? Que la probabilité de 1, je vais écrire, regardez. C'est là où il faut comprendre les probabilités. Donc si je fais probabilité de 1 plus probabilité de 2 plus probabilité de 3 plus probabilité de 4 plus probabilité de 5, je trouve combien? Ben, je trouve 1. Ça, c'est mon cours. Ça, c'est mon cours. Donc, je trouve 1. Et bien sûr, mais je connais probabilité de 1. Probabilité de 1, je la connais. C'est combien? C'est 0,19. Donc, je vais écrire 0,19 plus probabilité de 2, c'est 0,28, plus, ah, ici, je ne connais pas, je vais mettre un point d'interrogation, plus 0,19, plus 0,12 est égal à 1. Voilà. Donc, c'est comme une égalité à trous. Et si je fais avec ma calculatrice, je fais 0, regardez, je fais avec ma calculatrice, je fais 0,19 plus 0,28 plus 0,19 plus 0,12, je trouve 0,78. Ça veut dire, regardez, ça veut dire en fait 0,78 plus la probabilité qu'on cherche est égale à 1. Voilà. Est-ce que j'ai terminé? Non. Je n'ai pas trouvé ce nombre. Quel est le nombre? Quel est le nombre qui, lorsque je lui ajoute 0,78, je trouve 1? Quel est le nombre qui, lorsque je lui ajoute 0,78, je trouve 1?
Comment je vais faire pour le trouver? Ben, je vais faire tout simplement, regardez, je vais faire, ben, ce nombre, il est égal à quoi? Ben, il est égal à 1, tout simplement, moins 0,78. Regardez bien l'exemple du cours, on l'a fait, et on trouve donc 0,22. Donc, la probabilité de 1, c'est égal donc à la probabilité de, en fait, la probabilité de tomber sur le secteur 3. C'est ça ce qu'on cherche. La probabilité de tomber sur le secteur 3, c'est combien? C'est 0,22. Et si je fais maintenant 0,22 plus 0,19 plus 0,28 plus 0,19 plus 0,12, ben je trouve 1. Je peux le vérifier avec ma calculatrice. Parce que si je ne trouve pas 1, c'est que mes calculs ne sont pas bons. D'accord? Après, quelle est la probabilité que, en fait, le secteur 1 ou 5 soit désigné? On tombe sur le 1 ou le 5? Ben, là, la probabilité de tomber sur... Ben, en fait, je vais faire juste simplement la somme. La somme, puisque là, la probabilité de tomber sur le 1, c'est 0,19. La probabilité de tomber sur le secteur 5, c'est 0,12. Donc, la probabilité de tomber sur 1 ou 5, c'est combien? Ben, je vais faire tout simplement, c'est 0,19 plus... Qu'est-ce qu'on a dit? Plus quoi? Plus 0,12. Et on trouve combien? Ben, on trouve 0,31. La probabilité de tomber sur le secteur 1 ou 5, c'est 0,31. Oui, on a plus de chances de tomber sur le 1 ou le 5 que tomber sur le 1. Ou bien que tomber sur le 5. Parce que là, on a deux secteurs. 1 ou 5. Après, la probabilité, calcule la probabilité qu'un secteur pair soit désigné. Alors, quels sont les secteurs pairs? Donc, je vais l'appeler la probabilité, en fait, la probabilité de tomber sur un secteur pair, c'est quoi? Ben, c'est en fait la probabilité d'avoir le 2. D'accord? Pour le précédent aussi, j'aurais pu écrire, c'est la probabilité de 1 plus la probabilité de 5. Pareil ici, c'est la probabilité de voir le 2, d'accord, plus la probabilité d'avoir, qu'est-ce qu'ils disent, pair, donc 2 ou 4. D'accord? Donc ici, je vais bien sûr un peu agrandir. Donc ici, je vais... C'est égal à quoi? Ben, la probabilité d'avoir le 2, c'est combien? Ben, c'est 0,28 plus... Probabilité d'avoir 4, c'est combien? Ben, c'est 0,19. Et quand je fais la somme avec ma calculatrice, ça me fait combien? Ben, ça me fait 0, combien? Allez, vous m'aidez un petit peu. 0,47. Le dernier. Quelle est la probabilité d'avoir un... Le... Ça, c'était... Alors, ouais. Donc, j'aurais dû écrire ici peut-être petit 2. D'accord? Ça, c'est le petit 2. Ça, c'est le petit 2. Ça, c'est le petit 3. Et je vais faire ici le petit 4. Petit 4, c'est quoi le petit 4? Ben, quelle est la probabilité de tomber sur quoi? Secteur impair. Eh ben, c'est l'événement contraire de pair. Je peux le faire de cette manière. Probabilité secteur pair. Vous avez vu, 0,47. C'est l'événement contraire. Vous vous rappelez? Donc, j'ai deux manières pour le faire. Ou bien, je fais la probabilité, je l'écris de cette manière... J'écris la probabilité d'avoir un secteur impair, c'est quoi? Ben, c'est la probabilité d'avoir le 1 plus la probabilité d'avoir le 3
plus la probabilité d'avoir le 5. Oui, il y a trop de calculs. Moi, je pense qu'il y a trop de calculs. Il y a une autre façon de faire, mais on trouve exactement le même nombre. D'accord? Donc, ici, je vais écrire la probabilité d'avoir le 1, c'est combien? C'est 0,19, plus la probabilité d'avoir le 3, ben, on l'avait calculé, et c'est là où, en fait, si on se trompe sur le premier calcul, on se trompe sur le deuxième. Alors que la deuxième méthode, vous allez voir, on peut éviter ce calcul. C'est 0,22 plus la probabilité d'avoir le 5, c'est 0,12. Et sûrement, sûrement, on va trouver 0,53. 0,53. L'autre façon, autre méthode, ben, l'élève, il me fait une seule méthode, pas les deux. Ben, en fait, la probabilité d'avoir un nombre impair, c'est égal à, en fait, à 1 moins la probabilité d'avoir un nombre pair. C'est-à-dire, c'est égal à 1 moins 0,47 et on trouve exactement 0,53. Heureusement, on trouve bien sûr la même chose. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était bien sûr la feuille d'exercice qu'on devait corriger. Je vais la mettre, bien sûr, comme ça, corrigée sur Pronote, et corriger. Et j'aimerais bien, par contre, parler de ce devoir maison, parce que vous avez un devoir maison à me rendre. Et le devoir maison, on dit juste quelques mots sur le devoir maison, d'accord? Alors, il est où le devoir maison? Il est là. Ils disent, alors, un examen avec attention. Les coefficients pour le français, c'est 5. Attention, c'est important ça. Ça, déjà, les coefficients, il faut absolument, sont les suivants. Donc, je vais, bien sûr, ici, pour le français, c'est 5. Pour les maths, c'est 3. Et pour l'histoire, c'est 2. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Le candidat, il doit obtenir une moyenne au moins égale à 10. Pour qui a réussi parmi les candidats? Ben, je vais faire le calcul pour, bien sûr, Gaël. Donc, j'écris tout d'abord le candidat, j'écris Gaël, puis après Annabelle, puis après Yanis. D'accord? Alors, quel est le calcul que je vais faire pour calculer la moyenne de chaque élève? Il a eu 9 en français. Gaël, elle a eu 9 en français, elle a eu 12 en maths et 11 en histoire. Je ne vais pas faire 9 plus 12 plus 11 et je divise par 3. Non, pas du tout. Surtout pas. Parce que là, il y a des coefficients. D'accord? Donc, je dois faire attention aux coefficients. Le français coefficient 5. Vous vous rappelez, c'est comme s'il y en avait 5 devoirs. Donc, je vais faire 9 fois 5. Le maths coefficient 3. Donc, je vais faire 12 fois 3. Et l'histoire, 11 fois 2. Et je divise par combien? Est-ce que je divise par 3? Non! C'est une moyenne pondérée. Je vais diviser par 5 plus 3 plus 2, qui est égal à 17. Donc, je divise par 10. Voilà. Bon, ça, c'est pour le premier. Je pense qu'il est simple. Le deuxième, qu'est-ce qu'ils disent? Maxime a eu, il a eu 10,5 de moyenne. Attention, avec les 6 premières notes et la 7e, il a eu 14,5. Quelle est sa moyenne? C'est comme si, en fait, ce 10,5, il est coefficient 6, et le 14,5, il est coefficient 1. Le calcul, il est vraiment facile. Parce que il avait 10,5 pour les 6 deuxièmes, les 6 premiers devoirs, il avait déjà 10,5. Et ne me faites surtout pas 10,5
Plus 14,5 divisé par 2, surtout pas. Sinon, j'ai rien compris aux moyennes. Voilà, je dis pas plus. Je dis ça et je dis pas plus. Après, l'exercice 3. Alors là, il faut bien sûr connaître le jeu de 32 cartes. Dans le jeu de 32 cartes, en fait, regardez, ils disent, en fait, j'ai le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, la dame, le roi et l'as. 8 cartes. D'accord? Alors que dans le jeu de 52 cartes, j'ai toutes les cartes. J'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi et as. J'en ai combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. J'en ai 13 cartes. 13. 13 fois 4, ça me fait 52. Et pour le premier, on vous rappelle combien on a dit? 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. J'en ai 8 cartes. 8 fois 4, ça me fait 32. Pourquoi 4? Pourquoi 4? Pourquoi je multiplie par 4? Parce qu'il y en a 4 cartes différentes. Il y a le cœur, le carreau, trèfle et pique. 4 cartes différentes. 4 cartes différentes. Et donc, bien sûr, donc je fais à chaque fois. Alors, ils disent, je tire une carte au hasard. Il y a le joueur A, il y a le, attention, le joueur A, il pioche dans le jeu de 32 cartes. Et le joueur B, il pioche dans le jeu de 52 cartes. Attention, il y a deux joueurs différents. Calculez la probabilité que chacun des joueurs, donc vous allez écrire joueur A, vous faites son calcul, après vous faites joueur B, et vous faites son calcul. D'accord? Donc les deux calculs sont différents. Donc pour le 1, je vais bien sûr juste ici. Donc ils disent pour le petit 1. Encore? Sachant. Ouais, bon, je vais. Alors, de toute façon, je vais bien sûr. Et là, je mets. Allez. La probabilité de tirer le 5 pour le joueur A. Ben, le joueur A, il pioche dans le jeu de 32 cartes. Il n'y a pas de 5. Ce qu'on appelle l'événement. Comment on appelle cet événement? On l'appelle l'événement impossible. Et quelle est la probabilité de l'événement impossible? Ben, c'est 0. Par contre, pour le joueur B, ben, il y est le 5. Quelle est la probabilité de tirer le 5? Vous n'allez pas me dire 1 sur 52, j'espère. Surtout pas. La probabilité de tirer le... Ah, attention, oui, c'est 1 sur 52 en plus. Parce que c'est, ils disent, le 5 de carreau. Eh ouais, on n'a pas bien lu. Hein. C'est le 5 de carreau. C'est bien précis, pas le 5. Le 5 de carreau. Donc, pour, de toute façon, ça ne change rien pour le joueur A, mais pour le joueur B, et oui, effectivement, c'est 1 sur 52, parce que j'en ai une seule carte. 5 de carreau. Le joueur, alors pour le 2, le joueur ont, les joueurs ont-ils la même probabilité de tirer un cœur? Est-ce qu'ils ont la même probabilité de tirer un cœur? Bonne question. Bonne question. Je ne dis pas plus. C'est à vous de me dire est-ce qu'ils ont la même probabilité et surtout m'expliquer et justifier. Je ne dis pas plus. Qui a la plus grande probabilité de tirer une dame? Là encore. Combien il y a de dames? Il y en a 4. Et d'accord. Dans chaque jeu, il y a 4 dames. Oui, mais pour le joueur A, il y a combien de cas possibles? Il y en a 32. C'est 4 sur 32. Et pour le deuxième, c'est 4 sur 52. Qui a la plus grande probabilité
de tirer une dame. Je ne dis pas plus. Puis après, il y a le dernier qui, en fait, ils disent, à bord d'un bateau de croisière de passage à Tahiti, il y avait 4000 personnes. Chaque personne à bord du bateau est soit un touriste, soit un membre de l'équipage. Ils disent 32,5 des personnes sont des touristes hommes. 32,5 de personnes sont des touristes hommes. Par exemple, là, regardez, ils disent, je vais bien sûr la mettre un peu plus. Regardez, il dit, le total des touristes, les touristes, c'est 3100. Donc, 32,5% de 3100 sont des hommes. Et je vais trouver, bien sûr, cette valeur. D'accord? Puis après, ils disent, aucun des 320 enfants n'est un membre de l'équipage. Ah oui, les enfants, donc en fait, il n'y a pas d'enfants. Donc ici, membre d'équipage, je peux écrire ici, 0. Je peux écrire ici, 0. Ok? Il n'y a pas d'enfants parmi l'équipage, heureusement. On n'emploie pas les enfants. Et puis après, ils disent recopier et compléter ce tableau. Je dois bien sûr le compléter. La clé, les deux clés sont là. Dès que j'ai trouvé ce nombre, bah en fait, les enfants, qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc, je vais mettre combien? 320. J'espère que vous avez trouvé ça. Les enfants. Et là, le total des enfants, c'est 320. Ok. Je ne dis pas plus. Voilà. La séance d'aujourd'hui, elle est terminée. Je la mets sur, bien sûr, la chaîne YouTube.